Déjà ébélé wana bozali kozela le communicateur de la République Jeff Badi Bangaye Labino, l'actualité politique en République démocratique du Congo, l'actualité reste dominée na réaction ya William Ruto oyazali président ya Kenya oyo asali bongo point de presse mukolo alobi devant ba média kenyan pour répondre à la situation de la République démocratique du Congo, à la création ya groupe armée politico-militaire, il y a Alliance Fleuve Congo. Vous allez suivre au cours de ces numéros de décryptage de l'actualité politique, Maye Malekani na William Ruto Oazali, président ya Kenya, Oyo Awutiko déclaré la guerre avec la République démocratique du Congo. Il a répondu de ce qu'il a voulu répondre. La réplique, il y a Félix Tshisekedi. N'a pas tardé, tout ça, c'est à suivre en direct sur votre chaîne Vitesse Télévision. Au moment où je suis en train de vous parler, Joseph Kabila, John Numbi, Corneille Nanga, Moïse Katumbi, Bango Nyonso Basangani, Pouete Ba Sala, Komplowana contre la République démocratique du Congo. Tokolobelape Yango, la réaction, il y a ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, à ce qui concerne Moïse Katumbi, na Maponamio Ezali Kosalema, République démocratique du Congo, Ezali Bongo, Bamakamboyo, Tokosololanabino, au travers de ces numéros de décryptage de l'actualité politique que j'ai le plaisir de vous présenter en ce net moment sur votre chaîne Vitesse Télévision. Voilà pourquoi je vous appelle à être nombreux et encore nombreux pour Natongwa Lelo. Il y a beaucoup de révélations au Yongai Nabino et Sengeli Tosolo. Ba révélation et Zali Bongo et Belé. Ba Congolais Bazali Komituna, pourquoi jusqu'à présent la République démocratique du Congo et bandaki ko sala confiance na ba rebelle na ba groupe ya EAC. Le président William Ruto Mukolo ya lobby, il a choisi son camp. William Ruto Mukolo ya lobby a choisi son camp qui a été toujours quand il y a un traître contre la République démocratique du Congo. Je vais vous révéler ici, au travers de la Constitution, il y a Kenya, que Malobo et William Ruto Lobaki Lobby, c'est de la démagogie. Malobo et William Ruto Lobaki Lobby, et Zali Bongo, ko Batama. Pour la que le Kenya c'est une démocratie, c'est faux. Je vais vous lire les dispositions de la constitution kenyane. Oh, ils allaient qu'on contredire le parole ya William Ruto. Alobi est pas inabango bakoki ko kangamututé parce qu'il a fait des déclarations. Parce que l'expression, ou soit la liberté d'expression, ils allaient garantie. Et pas inabango na Kenya.
Il a défié la République. Il a dit que Tshisekedi voulait qu'on puisse arrêter Corneille Nangaa. Et que chez eux, on ne peut pas arrêter les gens pour avoir tenu, ou soit pour avoir fait une déclaration. Ici, je vais vous prouver noir et blanc que William Ruto a choisi le camp de l'EAC. Que William Ruto a choisi le camp Oyo Yabato Bazali ba traître. Ces gens-là, oh, Bazali, qu'on trahir la République démocratique du Congo. C'est ainsi que je suis venu. Pendant que Solola n'a pas tout balinga, car les communicateurs de la République, sur vitesse télévision, et leur dire que oh, yo William Ruto a sali. Ou soit toi, William Ruto a lobby, et Zali Lokuta Yamonene. La constitution ya Kenya. Et Zali ko interdire ba déclaration nyon so Zali ko kende à l'encontre de la paix. Toute déclaration susceptible de provoquer un soulèvement, de provoquer une menace à la paix. Ils allaient punissable par la constitution kenyane. C'est pour vous dire que nyonso yo bazali koye bisabino et pas William Ruto boyoka kiwana ezali lokuta. La vraie raison c'est quoi? L'alliance fleuve Congo ezala qui créée par East African Community. Oh ezali l'Afrique de l'Est. La communauté de l'Afrique de l'Est. Bangonde va créer East African Community. Va créer Yango pour faire un poids. Pour bon, que le M23 jusque-là ne tenait plus. Le M23 jusqu'à présent, et Bandaki Kosimba Lissoussouté, Bazalaki déjà essoufflé. Et comme ils étaient essoufflés, et qu'il y avait une détermination d'en finir. D'ici le 1er janvier plutôt, avec les rebelles du M23, il fallait créer maintenant un autre groupe rebelle. Oye Sengela Kéya Kozwa Bisika ya Liboso. Il y a M23. Ba créer Yango et Paya William Ruto. Ba créer Yango et pas Museveni. Ba créer Yango et pas Paul Kagame. Ba créer Yango et pas ya président ya Kenya, ya Tanzanie. C'est ainsi que, au moment que William Ruto yé moko, a yé ko se contredire na ministre affaires étrangères na yé. Le ministre des Affaires étrangères Kenya, dans un communiqué publié et rendu public, a l'obati que le Kenya se dissocie. Donc, Kenya a zali ko reconnaître ma déclaration où a zali ko semé terreur. Et puis, a zali ko menacé paix en République démocratique du Congo tenue par Corneille Nangaa. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères. Et il a dit qu'ils ont ouvert une enquête pour enquêter sur les déclarations. Or, déclaration, il y a Nangaa Zali qui a créé un groupe armé. Oye Koya, République démocratique du Congo, pour semer la terreur, les troubles, la désolation, toute la communauté internationale s'indigne. Namakambo et Salemina Kenya. Mais c'est juste William Ruto, Oyo aussi au vu de tout le monde, vient de dire que Bango Bazali qu'a accepté Oyo Nangaa Sali. Bango Bazali derrière Makambo et Salemi. La traîtrise, je vous ai toujours dit, que la communauté internationale, ensemble avec East African Community, Bango tout Bazali ba complice, il y a menace, il y a paix, Oyo Zali ko Salema en République démocratique du Congo.
tous. Bazali koyebi sabino clairement le lot. Ce qu'ils sont en train de faire. Oyo bango bazali ko sala. Et aujourd'hui, ils affichent cela sans crainte, sans honte. William Ruto a lobby clairement. Que bango bakoki ko kanga nangate. Pourquoi? Parce que bango bazali pays démocratique. Je vous ai montré ici la constitution ya Kenya. Ezali ko condamner ba déclaration, ezali ko provoquer ou bien ko sa la menace à la paix. Ba déclaration ezali ko sa la révolte. Il s'est contredit lui-même avec la constitution kenyane. Il s'est contredit lui-même avec le ministre des Affaires étrangères, Kenya. Qui lui s'est dissocié des déclarations à Corneille Nang. Bali kokanisake Congo et Zali Bazoba. Bazali kokanisake au Congo, nous allons accepter tout. Je vous informe que Kenya Airways, jusqu'à la preuve du contraire, Bakoki Konyatali Soussou, ma belle République démocratique du Congo. Kenya Airways, Bakoki Koyali Soussou, Kosala Misala Nabango, jusqu'à la preuve du contraire. Toutes les banques kenyanes installées en République démocratique du Congo, bientôt là. Ba banque wana tout, et Sengeli Ekang. Tous les ressortissants kenyans en République démocratique du Congo, et Sengeli Bazonga y paye Nabango. Et Fatih veut couper ou bien rompre diplomatiquement avec tout le pays de l'EAC. Bambo Kanyon Soana ya EAC, Balingi Bakata na Bango, relations diplomatiques. Pourquoi? Parce que Bango Panso, Bazali à la base, il y a création, il y a groupe armé, Oyo et Bandi déjà Moussala dans le Grand Katanga. Au moment où je suis en train de vous parler, Misolo et Tindami na Zambi, Nanya Tindi Yango, ça s'appelle Soriano Danyanyo, Monsieur Moïse Katumbi. Atindi Misolo, Basala ba fausse carte d'électeur. Atindi Misolo pour la formation de Bakatakatang. N'oubliez pas que Corneille Nanga Lobaki. Que l'Alliance Fleuve Congo et Kobandana Ituri et Kokende jusqu'au dans le Grand Katanga. Et dans le Grand Katanga, je vous annonce John Numbi, dans sa ferme, dans sa société de gardinage, il y a déjà des complices qui sont déjà là-bas. Il y a déjà les gens qui sont là-bas, qui sont en train de menacer. Ce qui se passe dans les Grands Katanga aujourd'hui contre le peuple Luba, c'est quelque chose qui a été déjà préparé. C'était prévisible de prévoir, de prévenir. Je me suis posé la question hier. Naoyo Etali, Madame Fifi Masuka. Na leadership naye. Qu'est-ce qu'il prévoyait, qu'elle prévoyait plutôt? Parce que oh ezali ko salema et yebana ki déjà bandaka. Je vais revenir avec Makambo Etali Fifi Masuka na lwala. Mais permettez-moi d'abord de vous donner la déclaration. Il y a William Ruto. William Ruto ne se cache plus. Bango bazali ko yoka lisusu sonité. Il y a Koloba Polele. Il l'a dit hier. Que akoki ko kangate. Bato bazali ko menacer la paix en République démocratique du Congo. Le groupe armé a été créé. Les Américains ont fait le semblant de condamner. L'ONU a fait semblant de condamner. La MONUSCO a fait semblant de condamner. L'Union européenne a fait semblant de condamner. C'est juste le Kenya qui ne voit pas les menaces contre la République démocratique du Congo dans des déclarations qui ont été faites par Corneille Nanga. Les Américains brandissent des menaces de visa. De fausses menaces. Popi Sobnyo Sotoye bien République démocratique du Congo. Que Makambo le Salemi dans le Kenya. Ils allaient préparation à la communauté internationale. Je vous ai révélé ici qu'ils veulent miter le M23 na Oyo Tozali Kobenga
Alliance Fleuve Congo, balingi ba changer. Parce que vous avez suivi le ministre de la Défense. La même chose que je vous ai toujours dit sur Vitesse Télévision, yangon de Jean-Pierre Bemba ou Tchaki Koloba. Alobi que les troupes rwandais et Zaliko se retirer du sol congolais. La victoire. Oh yo, tu sais que y a Zaliko soit d'une manière diplomatique. Les troupes basaliques ont se retiré. Je vous avais annoncé que Kagame avait dit d'ici le 1er janvier, Bango Tué Sengeli va se retirer. Et le retrait a été confirmé par Jean-Pierre Bemba. Les dessous des cartes ici, c'est quoi? Bazo Lukande, Bamite M23. Na alliance fleuve Congo et l'alliance fleuve Congo mutuazali amuteur azali ko soutenir yango la première personne c'est Moïse Katumbi. La création du chaos en République démocratique du Congo, ils sont en train de préparer un chaos. Kao wana ekoya kobebisa nyonso yo ba congolais bazali ko vivre comme dans la paix. Ils veulent l'éclatement de la République démocratique du Congo, la balkanisation de la République démocratique du Congo une fois que Katumbi ne sera pas élu président de la République. Nyonso wana ba kongomani basi ba yebi yango. Nyonso wana ba kongomani bazali ko comprendre yango. Le loyo omoni Moïse Katumbi akeyi na niveau ya Kenya avant que Nanga asa la déclaration na ye, Moïse Katumbi a rencontré William Ruto. Paul Kagame a rencontré William Ruto ensemble avec Moïse Katumbi. Ils ont permis à ce que le terroriste, celle-là qui agresse la République, celle-là qui menace la sécurité, baya ko sa la déclaration et pas inabango. Et la soi-disant déclaration appuyée aujourd'hui par William Ruto parce qu'il a dit c'est la démocratie. Quelle est cette démocratie? Oh, moutoua ko sa la déclaration, y'a ko kende ko zo pouvoir par la force, ko boto la batou pouvoir par la force, renverser le régime en place ici des élections par une force militaire. Or, dans la démocratie, le pouvoir bazouaka yangote dans d'une manière militaire par le coup d'État, mais le pouvoir émane du peuple. Le pouvoir vient du peuple et c'est le peuple qui l'exerce au travers Yabato Yoye à désigner. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui de la part du Kenya, qui se dit être un pays démocratique, mais entre-temps, le Kenya soutient Bato Bazali Koluka, un coup d'État en République démocratique du Congo. Excusez-moi. Yango monu le plan que j'ai toujours dit. Keboke ba la communauté internationale. Je vous ai toujours averti. Boke ba na ba américain. Boke ba na ba na Union européenne. Je vous avais dit ici le chaos qui a été préparé. Alliance Fleuve Congo Aneza et Lokoyo va créer. Je vous avais révélé plusieurs choses. Beaucoup de gens m'appellent prophète politique. Nalobi, comme d'habitude, ceux qui ont continué à like, tu peux la, continuer à live plutôt, ont aimé l'émission. Lorsque vous aimez l'émission, soyez aussi na compassion bande komusus au partager directeur po bango pe bayoka maye mazali ko leka lelo. Le Kenya déclare officiellement soutenir ba Corneille Nanga, Joseph Kabila, John Numbi na maye bazali ko sala balobi oyo bango basali c'est de la démocratie, oyo bango basali po na bango ba Kenya c'est de la démocratie et on ne peut pas arrêter les gens qui menacent de renverser un régime ici des élections. L'alliance Fleuve Congo a été créée avant l'annonce de Corneille Nanga
par Moïse Katumbi et par Paul Kagame. Ils se sont rencontrés na niveau ya Kenya ensemble avec les chefs d'État ya EAC pour créer ces groupes armés qui visent aujourd'hui, chers compatriotes, yako renverser le régime de Tshisekedi. C'est la personne de Tshisekedi qui fait défaut. C'est la personne de Tshisekedi oh bazali ko bundisa. Et le gens regarde aujourd'hui et voit qu'avec Tshisekedi au pouvoir, il n'y a pas moyen de tricher, il n'y a pas moyen de voler, il n'y a pas moyen de déstabiliser la RDC. Parce que les stratégies ont été mises en place pour réformer l'armée, pour redonner l'image de ces géants d'Afrique qui étaient tombés il y a longtemps. Tout ce que le gens craignaient, Yangonde Zali Kosalem. Oyo batuba bandaki kobanga, Yangonde Zali Kosalem alelo. La traîtrise, il y a Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi, je vous assure. Après les élections, Katumbi sera arrêté et jugé. Je vais vous faire des révélations dans cette émission, dans ce live. Pour voir que les traîtres de Katumbi préparent le chaos. Ils préparent à ce que, surtout dans les grands Katanga, à part la partie à Kiv, dans les grands Kiv et dans l'Ituri, que le feu puisse s'allumer. Et lorsque le feu s'allumera, chacun de son côté programmera l'indépendance. Il y a parti wana. Et ce plan de balkanisation est salemi na niveau ya Nairobi. Olobomoni nanga zali kobima. Ce n'est pas nanga, c'est le président. Il y a communauté ya East African. Bangonde bazali à la base. Ils ont été soutenu, appuyé par Moïse Katumbi et par Joseph Kabila. Ils ont fait les déplacements ensemble. Na niveau à Nairobi. Ils savent que Katumbi ne gagnera pas les élections. Et comme Katumbi ne gagnera pas les élections, et qu'ils ont dans leur tête il y a Kolongola Tshisekedi, il faut créer un groupe rebelle. Ce qui Tshisekedi a dit, dialogue, il faut créer le groupe rebelle. C'est là que vous avez vu les Kenyans. Sa honte, le ministre des Affaires étrangères et le président de la République se sont contredits. Bah, c'est contredit. Ministre Affaires étrangères à lobby, bah, c'est dissocié. Qu'on s'est dissocié Zalini, Makambounanga lobby, il y a qu'on créé un groupe armé en République démocratique du Congo. Kenya s'est dissocié dans Makambouana. Baloba qui babandi enquête, bazo sala enquête. Mais Mbalamoko le soir, le président William Ruto à lobby, il ne peut pas arrêter Corneille Nanga parce que ce que Nanga fait, c'est la démocratie. Et dans une démocratie, on ne peut pas arrêter quelqu'un qui exprime ses opinions. Contradiction entre le ministre des Affaires étrangères kenyan et aussi le président William Ruto. Je vous ai dit ici, la constitution ya Kenya, les alliés qui permettent te mutwa sala ba déclaration, ya ko agresser pays ami. D'autant plus que la RDC fait partie des pays membres de East African Community. Comment est-ce qu'un pays oh, les alliés membres de l'East African Community et qu'un de ses associés et l'obake les agresseurs pour juste à la preuve du contraire Kenya Zoluka que le M23 se retire ayebi que ba M23 ba ngone bazali ko se mettre erreur na territoire national ba yebi yango très bien mais lelo va permettre Bertrand Bisimwa Akende Kosalié na Corneille Nanga, l'ancien président de la CENI. Ils ont reçu la personne de Moïse Katumbi. Ils ont reçu la personne de Joseph Kabila. Ils ont reçu la personne de Paul Kagame.
Bango, tout ensemble, ils ont créé ce que nous appelons Alliance Fleuve Congo pour créer le chaos, pousser Tshisekedi de dialoguer avec le M23. L'ici, c'est le dialogue, recherché par tout le monde, même la communauté internationale. C'est ainsi que vous voyez les Américains, même s'ils condamnent d'une manière façade la création de l'Alliance Fleuve Congo. Mais en fin de compte, ils recherchent les dialogues. Makambu Kabila pèse ça qui bango, yangonde bazali koluka. Tu sais que di andima, degré ou de force, tu sais que di doit accepter. Et comme ils s'opposent à Makambouana, il faut le faire partir. Comment? Par un coup d'État. C'est ainsi que mon aki, Batolo Moussous Bazala qui n'a pas groupe rebelle, ils ont alerté Baye Pissiba service de sécurité que même le lon à Sainte-Thérèse et Sengeli Bazala vigilant na vie ya Tata Mokonja Ekolo et Sengeli Bazala vigilant na vie à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la guerre qui est lancée, la rébellion lancée par Corneille Nangaa vient d'être confirmée par le président William Ruto. William Ruto confirme que déclaration y a Nanga pour eux, c'est la démocratie. N'a pas si bino à réponse. C'est quelle est cette démocratie-là qui fait que Batuba préparé coup d'État. Il y a un pays membre de la sous-région. Et que bino pays membre de la sous-région qui pilote aussi le processus de paix. Bon, c'est une démocratie. Quelle est la démocratie qui permet à un pays ou soit à un groupe d'individus, il y a aussi la coup d'État, Kolongola, institution et outils Namaponani. Ça, c'est une question que le journaliste kenyan devrait poser à William Ruto. Ces analyses, je les fais pour être Congolais à comprendre que ce n'est plus le temps, c'est le temps d'être éveillé, c'est le temps maintenant de regarder tout le monde aux alentours de la République démocratique du Congo comme notre ennemi. Et chaque ennemi doit être traité comme tel. Le Kenya s'est déclaré ennemi de la République démocratique du Congo et il doit être traité comme tel. Et comme ennemi de la République, nous devons couper des relations diplomatiques avec les Kenyans. Parce qu'ils participent à la déstabilisation de la République démocratique du Congo. On se pose la question de savoir. La feuille de route, il y a Nairobi. Comment est-ce que Tokoki peut continuer dans Ngolisus? En sachant que Batuango Bazali Kosala, pour piloter le processus de paix, Bazali pour soutenir les rebelles. Comment? Le vol de Kenya Airways ont été suspendus. Bakoki Kokitali Soussouté sur les sols congolais. Tous les actionnaires majoritaires, il y a ma banque sur les sols congolais. Eux, Bazali, ba originaire, il y a Kenya. Et Sengeli, ba bloqué Yango. Le Kenya doit sentir que le Congo ne joue pas avec la sûreté de l'État. Ce qu'ils sont en train de faire, ils menacent la sûreté de l'État. Ils menacent la démocratie en République démocratique du Congo. La démocratie, ou soit l'expression, la liberté d'expression, cela n'est pas synonyme de libertinage. De prendre la parole pour menacer toute une République. C'est ainsi que, chers compatriotes, la République est que Essengeli ambassade ya Kenya au Congo bakanga yango. Ça ne suffit pas de l'interpeller. Ça ne suffit pas de rappeler notre ambassadeur au Kenya. Mais il faut aussi agir, passer par les actions diplomatiques. Muto azo luka. Azo menacé. La sûreté de l'État, il faut le traiter comme tel. Et Sengeli Kokanga. Le consulat à Kenya en République démocratique du Congo. C'est possible de le faire. Il faut réagir. Namunene ya likambu. La réaction doit être à mesure. Il y a réalisation. Il y a Munene ya likambu. Likambo yo,
Ne vous sous-estimez pas ce qui est en train de se passer. Ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer. Moïse Katumbi, parce que je vous ai dit, il a rejoint Nairobi avant que nos Corneille Nang. La réunion préparatoire, Yamakamboyo, Boye Kovona Corneille Nang Alobi, Nanga neke une marionnette, Nanga neke. Et Lilingi a Pamba, Oyo Babi Missi, pour divertir l'opinion que c'est le Congolais. Mais Batoyo Batena qui réunion, il y a création, ensemble avec les Nanga, John Numbi. Et d'autres groupes armés, il y avait Moïse Katumbi, il y avait Joseph Kabila, il y avait Paul Kagame, il y avait William Kakuta Museveni, il y avait le président de la Tanzanie. Ensemble, ils ont créé ce qu'ils ont appelé Alliance Fleuve Congo. N'oubliez pas, même Denis Sassou Nguesso connaît aussi l'histoire, là où l'histoire a commencé. Bayebi lisolo yebe tamaki Denis Sassou Nguesso. L'attaque peut venir de Denis Sassou Nguesso parce que c'est l'Alliance Fleuve Congo. C'est ainsi que, chers compatriotes, lorsque Katumbi y est allé, on a vu que la préparation de Katumbi pour devenir président de la République est aussi mbattée. C'est difficile que Katumbi soit président en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bakéi Kosomba, agence Moko Yabaris, Banani Bakéi, ce sont le président de East African Community, EAC, accompagné de Moïse Katumbi, leur candidat. Bakéi, je vous donne des révélations ici. Ouvrez bien vos oreilles. Cette agence a été achetée pourquoi? Basomba qui agence wana poba ya copirater la base de données ya CENI. La première tentative avait échoué. La première tentative, c'était l'Union européenne. L'Union européenne était venue ici avec les matériels satellitaires qui devraient pirater la base de données ya CENI. Ils ont heurté à la détermination du gouvernement de refuser d'accréditer ou soit l'autorisation, il y a installation, il y a un matériel satellitaire. Ce matériel satellitaire, pour ceux qui me suivent chaque jour sur Vitesse Télévision, je vous avais dit que c'était dédié au piratage, il y a base de données à CENI, pour donner les résultats qui proclamaient Moïse Katumbi président de la République. Je vous ai signalé et averti ici que Katumbi a contacté le membre du bureau à Kadima pour que le moment de la proclamation de le résultat, le 30 décembre, lorsque Kadima publiera le résultat provisoire, Bango va contester élection wana, va contester résultat wana. Et lorsqu'ils vont contester les résultats, et qu'on crée Mobulu Lolenge Basalaki na niveau ya Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils sont en train de préparer ici. C'est ainsi que, chers compatriotes, vous allez nous excuser pour la maquillée Léona Bouzali Koyoka. Nous sommes dans un temps de campagne de l'Ezali Tanyasuka. Ma candidate, tu m'as dit que ma maquillée est partout. Bazo Kote la Batina Mapangu. Dans le système, il y a porte à porte. C'est ainsi que je vais m'appeler le Wane Kote. Tentative, il y a Liboso. Il y a l'Union européenne échouée. Gouvernement est contre Yango. Il a installé matériel Wanate pour triquer le résultat des élections. Il a contacté l'agent Yakadima, le bureau Yakadima. J'ai dénoncé cela. Basali Yangote, ils n'ont pas réussi. Le Lobakei Kosoma, une agence RIS, pouete, et ça la tentative de piratage à base de données. Le plan, c'est toujours triquer le résultat à Maponami. Probablement, c'est Moïse Katumbi, président de la République. Au moment où je suis en train de vous parler, nous savons cette agence, le nom de cette agence. Nous savons également la société civile qui vient d'être achetée de la part de Moïse Katumbi.
le même but, quoi, triquer les élections. Et lorsque c'est le tricage des élections qu'au Salema, va publier Moïse Katumbi. Et si ce n'est pas Katumbi qui gagne les élections, il faut procéder maintenant. Na oyo tozali kobenga coup d'état, mettre le pays dans le chaos. C'est ainsi que le message de haine tribale est bandit dans les grands Katanga. En plus que les rebelles vont attaquer dans les Kivu et dans l'Ituri, les grands Katanga sera sujet à la guerre ethnique. Et le discours de la guerre ethnique, vous savez qui est en train de le dire. Nani azali koloba ba makambo wana. C'est ainsi que, chers compatriotes, Nazali ko interpeller tout Congolais avéré. Yako ça la résistance contre la manipulation. Yako ça la résistance contre ce que Katumbi est en train d'organiser. Katumbi veut le sang en République démocratique du Congo. Aligné Makila et Sopana en République démocratique du Congo. Ce qu'il veut, c'est à tout prix prendre la présidence de la République et commencer à faire les affaires à la tête de la République démocratique du Congo. Le mafieux de Katumbi, il veut installer un système mafieux à la tête de la République démocratique du Congo. Je vous annonce, Kenya Oyo est lancé guerre contre la République démocratique du Congo. Kagame, Katumbi, Joseph Kabila, John Numbi, Museveni et d'autres présidents de pays membres de l'Afrique de l'Est étaient ensemble. Ils étaient ensemble pour créer cette histoire avec la bénédiction des Américains. Ils étaient ensemble avec la bénédiction des Américains. Ils ont leur appui au sein de l'armée. Il faut que je dénonce tout cela. Yomu Tozambi l'armée, Zalali Sulikolo Yalis. Les traîtres qui sont au niveau de l'armée seront utilisés pour Basala, Oyo Tozali Kobenga, Baklongwa l'armée avec des munitions, Oyo Koservir Bango au moment de l'attaque. Ces traîtres-là, vous le savez, ce sont les gens qui viennent des groupes armés. Les gens qui sont entrés dans l'armée grâce au mixage et au brassage. Vous savez chaque jour que Bango Bazali côté ma stratégie militaire et armée Nabissou. Chaque fois que l'armée veut faire une opération, il y a la vente des opérations que l'armée veut faire. Nabanyangala Kata ya M23. Mais le lot aux Ali qu'on dénonce Yango, c'est la patrie ou la mort. Tozali Koloba, c'est la patrie ou la mort. Poso ki tolali pongi, Katumbi oyiba biso tiba sina biso. Aote katiba sina biso na bana. La prise de position ya William Ruto, ça renforce la thèse selon laquelle ce qui se passe avec Corneille Nanga, ça a été déjà préparé. Et ça, il y a un peu de temps. Mais moi, j'avais déjà averti. J'avais déjà averti sur la situation. Naloba qui déjà dans ma cambou, oh, les alliés qu'on s'est préparé. Et les gens n'ont pas vite compris. Les gens n'ont pas vite compris. C'est ainsi que Mukolo Mwalelo, la réplique du ministre de la Défense. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba. Alors, nous allons appliquer la force. L'État doit appliquer la force pour faire respecter la loi en République démocratique du Congo. Katumbi a réagi. Ote, c'est payé Zali Kozelayo. Te, yambalo yo Katumbi toko zoye na Congo. Katumbi toko kangaye na Congo. Toko tindaye na ce pays. Te, tout ce qu'il a volé aux Congolais sera restauré aux Congolais. Nous allons demander à Katumbi la mort de Kabasele Mwamba. Nous allons demander à Katumbi la vente de l'uranium. Nous allons demander à Katumbi qu'est-ce qu'il a fait pendant 8 ans de sa gestion avec le grand Katanga.
tous les minéraux, oyo ezalaki na Grand Katanga, oyo ateka na Joseph Kabila. Nous connaissons bien le pièce que nous sommes en train d'agencer aujourd'hui. Vous voyez comment Katumbi Azali Kokima débat sur sa nationalité. Azali Kozoba ba Congolais, ba Congolais, pe ba lobito Azali Kozoba yo. Vous voyez comment Katumbi est en train de fuir ceux qui parlent de sa nationalité. Na ol etali nationalité Katumbi a tchepoa. Tilelo Azali Kope sa justification à ta mon côté. C'est un candidat utilisé par Kigali. Je vous avais révélé qu'en 1995, Moïse Katumbi et Paul Kagame étaient ensemble. Ce sont eux qui ont appuyé l'AFDEL de Joseph Kabila, de Laurent Désiré Kabila, Namandouk. La logistique de l'AFDEL a été achetée par Moïse Katumbi. Lorsque Katumbi a fui avec l'argent du contribuable congolais, Yango Akenda exil en Afrique du Sud. Bak travaux pour soit ba misala na ye ba faire na ye abandaki ko sala ngo au travers ya Zambie Afrique du Sud. Au moment où je vous parle, Katumbi azonga Congo parce que Joseph Kabila akendaki ko lukayi. Ba travailler ensemble et loko ba welela ngai na bino to yebi ke ba welela vente ya uranium ya Chikolobwe. Oyo Kabila lekela ki Katumbi alekela ki Kabila maye. Ateka minere uranium ya Chikolobwe. Azimbongo a tient la poche. Joseph Kabila tomboka benga ye jida. Réconciliation yo bomona l'église catholique wana. L'église catholique oya bandoki. L'église catholique oya ba traître. L'église catholique qui veut toujours le déclin de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, au moment où je suis en train de vous parler, Katumbi Atikala jamais et alors jamais parlait de sa nationalité. Katumbi n'a jamais démenti tout ce que Jean-Pierre Bemba dit sur sa nationalité. J'essaierai ensemble avec vous, Kalami Ngité, en direct sur Vitesse Télévision pour vous faire vivre ce que sera l'accueil de Félix Tshisekedi à Sainte-Thérèse aujourd'hui. Yangon Alobi, Bozala toujours branché sur Vitesse Télévision. Chers compatriotes, les choses changent, les masques tombent, la coalition des étrangers, les gens qui ont une nationalité douteuse et qui veulent mettre à mal ceux qui veulent mettre à mal la sûreté de l'État, ceux qui veulent mettre à mal l'intégrité de notre territoire, nous les appelons aujourd'hui, nous les défions aujourd'hui. Nous les défions aujourd'hui de dire la vérité au peuple congolais. C'est ainsi que, chers compatriotes, je suis dans l'obligation de rejoindre Sainte-Thérèse. C'est ainsi que j'appelle les techniciens pour la fin de l'émission. Nous nous rendons à Sainte-Thérèse pour couper Sabino la suite. A bientôt, Tokutani Nabino na 16h.